grand port autonome de Dunkerque. Et nous sommes en train de réaliser le raccordement du futur poste de 125 000 volts à l'ouvrage de 225 000 volts. Donc aujourd'hui, nous venons de finir le levage du bilan de 1628 bis qui va nous permettre de faire l'entrée en coupure du poste. La suite des opérations pour les 4 semaines à venir sont le déroulage des câbles entre l'ouvrage existant et le nouveau poste. Et tout ça en collaboration avec les entreprises du secteur, du site, et notamment l'entreprise BEC qui assure la coordination du chantier. Donc sur cette opération, on s'assure de prévenir les risques résultant des coactivités simultanées et successives. On prend en considération l'ensemble des dispositions sécuritaires du chantier, notamment par le biais de mise en place de cheminements de circulation afin de séparer les flux des piétons et des engins et ainsi faciliter la circulation des travailleurs. On travaille en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe projet et des intervenants dans l'acte de construire. Régulièrement, nous nous rencontrons sur le site à travers des visites inopinées de manière quotidienne et des réunions sécuritaires qui se déroulent tous les 15 jours. La particularité sur cette opération, c'est que nous sommes sur deux opérations bien distinctes, à la fois la construction d'un poste source, mais aussi la construction d'un pylône électrique pour le compte d'RTE. L'ensemble de ces mesures sont prises en concertation avec les différents maîtres d'ouvrage et différentes entreprises, de manière à éviter aussi les risques interférents liés aux différentes activités qui peuvent se dérouler sur le site.